بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدم الله سبحانه وتعالى نوبل أبي بن جكشول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غابلنا دن حديث إليجيا، افترقت اليهود على 71 فرقة، كي بنزيف فين ديفيزي انتر زوت ميم، et cette fin arrive 71 groupes. Ben Zwif, fin divisé, sa quantité là qui est 71 groupes parmi Ben Zwif. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Et Ben Chrétien, aussi cette fin divisé, jusqu'à qui, à la fin cette fin arrive 72 groupes. وستفترق أمتي. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, ce ummat aussi peut diviser. وستفترق أمتي على 73 فرقة. Et mon ummat, sa ummat là peut diviser en 73 groupes. Alors, ce hadith est très très important pour nous ça. Mais seulement, il est très sensible, ce hadith, qui ne pas comprend lui d'une façon exagérée et ni nous sous-estime ce hadith. Les deux très importants. Ni nous exagérer dans interpréter ce hadith, mais ni nous faire croire qu'il n'a pas aucune valeur à ce hadith. Toute parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a ce poids ça. Toute parole, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a son importance. Et c'est lui qui ignore la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis une fois il se trouve, destruction lui-même. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ala 73 firqa » trois groupes, 73 groupes, كلها في النار. Littéralement, tout dans l'enfer. Illa wahida. Excepté un seul. Littéralement, qui fait nous dire littéralement, parce que, comme beaucoup de gens au courant, mais la plupart de gens n'ont pas au courant, qui, façon comprend Coran, façon interprète ben verset Coran, façon interprète ben hadith, n'est pas donné à tout le monde ça. Nous pas prendre un livre qui nous traduit en français ben hadith. Nous comprenons littéralement, nous croyons nous ne comprenons din. Nous pas nous comprenons din. Et il y a une possibilité aussi qui les une double tranchant tout ça. On peut comprendre plus, on peut comprendre moins, on peut comprendre balaou. La même chose pour ben interprétation Coran, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, traduction. Alors donc, pour comprendre ce hadith, nous disons que qui ban ulama, ban expert dans langage arabe, et ban qui finit la connaissance directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba, les quatre imams, ban calife, ban tabi'in, comment je finis comprendre ban hadith et parole Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tout dans l'enfer veut dire ça, ce règlement auprès d'Allah. Comme ça, ce style-là, il y en a beaucoup répété dans le hadith surtout. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر لم يشم رائحة الجنة. Celui qui de celui qui a un atome d'arrogance n'y va pour sentir un parfum paradis. Qui veut dire c'est un n'y pas de faire shirk avec Allah, ni faire 5 fois namaz, ni faire tout. Mais c'est même si un peu arrogant, il vous rentre dans l'enfer pour tout le temps. Non. Il veut dire qu'il nous besoin d'une façon pour comprendre, pour abord, pour interpréter parole au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, il y en a beaucoup, un hadith de ce style. Il veut dire que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire 73 groupes parmi l'islam, 72, tout pour dans l'enfer excepté un seul. Qui veut dire, ça c'est règlement, si Allah lit parti pour vers ce faveur et sa ummat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah li pa pardonne shirk, man idolâtrie qui dit mon faire, association qui dit mon faire avec lui, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne à ce qu'il a envie, qu'il sauve ce qu'il a envie. Si passer dans sa verset, ça c'est règlement là, ça. Tout tu peux dans l'enfer, excepté un seul. Mais le jour du Qiyama, c'est Allah, cette décision qui vous prévaloir. Parmi toute sa division qui est dans sa ummat, Allah lui, l'épousise chaque dimon. Toi, tu as une pratique indigne de sa façon, tu tombes dans l'égarement. Toi, tu as une pratique en plus, toi, tu as une pratique en moins. Toi, tu ne crois qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Toi, tu ne crois qu'il y a des choses en plus, soit en moins. Allah lui pour décider. La loi là, là, c'est que tout le monde qui contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enfer. Ça, c'est la loi, ça. Tout le monde qui contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bizarre dans l'enfer. Ça, c'est la loi. Sauf qu'Allah, par sa générosité, est capable de gracier certaines parmi sa bande du monde, aussi longtemps qu'un du monde ne peut pas faire shirk avec Allah. Très important pour nous comprendre ça. Alors, avant de continuer, frère en islam, si ben sahaba, dans le moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa hadith, qui je pense, ben sahaba, comment réagir par rapport à sa hadith? Par rapport à sa hadith, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire une affaire, comment ben sahaba réagir? Il fait important ça. Il n'est pas seulement important qu'il nous assiste, nous baisse la tête, nous faire croire, nous faire imam croire qu'il nous donne de réflexion, là, nous peut concentrer, dans nous peut dormir. Non, non. Nous devons apprendre, mais les sahaba, comment réagir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous autres quelque chose. Pour que nous suivions nous autres. Parce qu'Allah, finit nous imite les sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala a envie qu'il nous fasse pareil. Comment tu peux faire quand tu peux écouter Allah, ce verset descend. Quand je peux écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam causer. Mais qui vous pensez que les sahaba peuvent réagir dans ce bon moment? Les sahaba, n'importe quand Allah descend dans le Coran, n'importe quand que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit une parole, je sais qu'il y a ce qui s'est dans le ça. Ça bon là ou bien ça mauvais là? Il y a dans moi ça? Parce que beaucoup de sahaba peuvent aller leur assimiler la tête, comment dire, il y a fatigué, comment dire, qui s'est un mot pour eux. Qui arrive toi? Mon fils vient de mon Afrique. Qui fait les réagir comme ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une parole, il n'a trouvé là-dedans. Il commence à être fatigué. Il gagne un tracas. Alors nous aussi pareil. Ce hadith-là, ce n'est pas une histoire ça. Ce hadith, ce n'est pas une histoire ça. Ce n'est pas juste une information ça. Ce n'est pas une rimée ça. Ce n'est pas une causée par ci, par là ça. C'est la révélation qui vient révéler au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça, il y a une réaction de la part d'un qui n'a iman. Un qui n'a iman, il réagit avec le Coran et bien avec le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on tape la porte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, ya Rasulullah, qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire? Pour notre division, qui nous besoin faire? Alaykoum bi sunnati. On s'en commence à donner conseil. Mais ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a telles affaires, qui m'a fait? Quand arrive telle chose, qui m'a fait? Quand arrive telle division, qui m'a besoin faire? Je te gagne tracas, je te commence, prends cette précaution. Je te commence, prends cette précaution. Apprendre pour identifier le mal. Ben Sahaba, tu peux apprendre pour identifier le problème qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu,
Lijia wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ash-sharr. Moi je peux demander le prophète sallallahu alaihi wasallam concernant ban problème ban le mal ban l'égarement ban fitna qui peut arriver. Moi je peux questionner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam à propos de ça. Qui vient makhafatan an yudrikani. Moi je peux attention mal tombe dans sa ban quelque chose qui le prophète sallallahu alaihi wasallam prédire. Pour gagner tracas. Attention mal tombe là-dedans. Alors ça c'est supposément nos réactions. Parce qu'Allah peut dire, Allah peut faire élose, ban croyant, mais pas n'importe qui croyant, ban croyant qui suivent, qui imitent façon qui ban sahaba, tu as dit. Wassabiquna al-awwaloun. Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wassabiquna al-awwaloun. Ban premier musulman, ban muhajirin, wal ansar, wal ladhina attaba'uhum bi ihsan. Et ban qui suivent, ban muhajir, ban ansar, dans ce qui est bon. رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار يا لفين بريبا بو سابان ديمون بو بان مهاجر بو بان انصار اي بو بان كرويان كي سويف زوت كي veut dire un musulman les bisang était dans sa hadith quand djimon peut dire un hadith quand djimon peut réciter un verset coran avec vous comment vous réagir mais comment Abu Bakr tu réagir comment Omar tu réagir comment Ali Othman tu réagir comment mon sahaba tu réagir moi aussi moi bien hein même réaction même feelings malgré qui mon productivité pas pour pareil parce que moi pas sahaba moi mais seulement moi bien gêter une coude mais comment je ne fais je ne riais je ne dormis ou bien dis-le au bret de songe comment je ne réagir moi bien fais des efforts c'est réagir pareil parce qu'Allah fait un honneur ban jimon qui reflète veut dire la façon d'agir de ban sahaba compagnon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on connaît que sa oumad pour divise en 73 groupes peu importe qui groupe là ce nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une cause vraie ce qui nous besoin faire nos devoirs ce qui nous besoin veiller à ce que nous pas tombe dans sa ban division qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous pas tombe dans sa ban l'égarement qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire comment nous pouvons ça. Comment nous vous connaissez? Assisé, fait 5 fois namaz, il y a déjà un gros kit de choses. Mais c'est mal passé. Ou bien, veut dire, averti, chaque pas qui vous fait, ou puis rapproche avec l'enfer, ou puis rapproche avec Jannat. Chaque pas qui vous fait, ou puis rapproche avec sa hadith qui dit à 73 groupes là, ou bien, ou peut venir de sa exception, illa wahida, excepté une seule, qui lit au départ même Allah subhanahu wa ta'ala, fin grâce ciel avec paradis. Il mérite paradis au départ. Mais moi, je connais chaque mouvement qui m'avait fait, chaque action qui m'avait fait, chaque pas qui m'avait fait, chaque parole qui me saute dans mon bouche, chaque pensée qui me vient dans mon esprit, chaque croyance qui m'avait descendre dans mon cœur. Est-ce qu'il est cadré avec sa Coran, avec sa hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec façon de faire, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien non? Il bien préoccupe-moi ça. Pareil, comment le dunya, beaucoup de choses préoccupent nous. Quand le cyclone vient, classe D, on commence à réagir. On se pose question. Quelque chose qui est attaché, on commence à poser question. Mariage peut venir, chaque seconde, on consulte, on peut dire attention, on peut oublier, faire telle chose. Pareil, comment la Coupe du Monde, chaque fois on gagne tracas, combien peut aller? Parce qu'à Donamaz, il y a Kamat. Mais tout ça tracas là, prends un ticket de ce tracas là, papa, mets un coup de côté digne. Mettez un site de côté d'in. Tout ça tracas qui ont gagné pour football, pour les courses, pour gratter, combien de millions que ça n'a gagné, ou bien pour politique, ou bien pour boyage, ou bien pour le promener. Un tas de tracas qui nous gagnent. Prends un site de ce tracas-là, mettez-le dans d'in. Si nous gagnons un site de tracas dans d'in, frère en islam, peut-être ça pour sens, nous la vie, dans dunya d'akhirat. Un site de tracas. Nous n'avons pas capable de vivre sans tracas. En tant qu'un musulman, concernant nous à akhirat. Si un djimoun n'est pas gagné tracas sur akhirat, il va le revoir sur iman, dangereux. Depuis le matin jusqu'à on arrive là. Hier, après, avant hier, semaine passée, consultez ou propliquer. Est-ce qu'on gagne tracas dans le de kabar ou de punition? Est-ce qu'on gagne tracas au qiyama, Mohamed Sassan n'a pas envie de tout figuer? Est-ce qu'on gagne tracas quand on gagne un livre? On peut lever la main droite. Tu crois la main droite, tu as gagné des mots, les deux, un livre. On y a ce tracas là.
Est-ce qu'il y a un tracas quand on dit Allah, pardonne-nous, Allah dit, pas qu'on s'en moi, allez. Est-ce qu'il y a un tracas là? Si vous ne gagnez pas ce tracas là, faites attention. Parce que les croyants, ils disent, vive dans sa crainte. Yad'ounana raghaban wa rahaba. Un croyant, lui hante l'espoir et la crainte. Est-ce qu'il y a un ali? Ou bien fait au propre jugement, frère, ce n'est pas une formalité du moins. Khoutba du moins, ce n'est pas une formalité ça. C'est un rappel pour celui qui peut causer en premier. C'est un rappel pour nous, pas nous paie tension, nous paie jouer nous la peau dans l'enfer, frère. Faudrait pas qu'il djumma vienne une formalité. Faudrait pas qu'il nous fasse politique. Ben, une bizarre causer aujourd'hui. Une bizarre critique X aujourd'hui. Une bizarre critique Y aujourd'hui. Bonne bizarre faire une démagogie aujourd'hui. Alors, on finit djumma aujourd'hui, fini. Alors, l'autre semaine, bon, qu'il y ait un coup de qui crée sensation, m'aurait causé encore. Non, pas ça, ça. Djumma, ce n'est pas une plateforme pour gagner un rôle. Ce n'est pas une plateforme pour créer sensation. Ce n'est pas une plateforme pour attaquer ton frère ou bien pour ridiculiser un tel. C'est un amanet pour toi-même, celui qui peut causer et celui qui peut tendre, qui besoin transmettre sa traka, qui, si ton mot en coûte, si nous mot en coûte, qui peut arriver nous d'Akabar? Qui peut arriver nous côté Allah? Est-ce qu'Ibrahim nous parle de Jannat? L'eau qui s'est fait, quoi, frère? Qu'est-ce que toi-même? L'eau qui s'est fait, tu parles de Jannat, hein? L'eau qui s'est fait, hein? L'eau qui quitte son, je te fais baser qu'il y a mon pensée là pour mettre moi de Jannat. L'eau qui s'est fait, hein? Ok. Ça, bizarre, vient nos préoccupations, grand matin, tantôt. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, levé, affolé, abriti, crié, takbir, il y a un père, qui est arrivé, il y a un tracas, là, un bout qui sort, une cassette, Ya'juj et Ma'juj. Il commence à faire lire, d'abaraz, gog et magog, il y a un tracas. Et bien, il y a un tracas pour ça, on matelas. Ou pas qu'il y a un tracas pour vous? Pas qu'il y a un tracas pour vous? Puis c'est qu'il y a un tracas. Quand nous situons, nous, c'est ça, veut dire la vie, ben sohaba. Alors, nous devons faire nos efforts pour le guetter. Mais qui groupe qui parle dans la bonne direction? Bon, pas n'est-ce que je veux dire, trappe la main du monde, il y a même pas partout. Ou n'importe quoi ça, on fait ça. Ou dans le pays en dehors, ou n'importe quoi ça dans la foule, ou pas trappe la main du monde, ou aller, ou pose question, attention, ou pas le pied d'ici même. Ah ben, Dounia aussi pareil, Akhirat aussi pareil. Guette bien, ou bien choisir sa groupe qui peut amener nous dans Jannat. Sa groupe-là, il peut nous annoncer, il peut nous enregistrer dans le registre, ça. Sa groupe-là, ce symbole, ce estampe, c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faut dire ça estampe-là là-dedans. Parce qu'il y a un sahaba qui dit Ya Rasulallah. Mais dire, qui s'en a ça? Ça a un groupe qui lit Allah subhanahu wa ta'ala fin grâce et lit au départ même. Qui dit c'est ban djimoun qui parle de Jannat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Hiya mithnu ma ana alayhi liyaum wa ashabi. Ce groupe-là, dans toute sa division qu'il y a dans sa oumad, il y a un seul ça. Il y a un seul nom. Il n'y a pas aucun résistant. Ce nom, c'est ma ana alayhi liyaum, comment moi été moi là qui s'en a ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui se, il vive l'islam. Façon qui, d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'après façon qui, ben sahaba fin vive l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, dimon là, il forme partie de sa groupe. Pena pour voter pour rentrer dans sa groupe. Pena pas qu'à mettre des hauts, pas qu'à faire rien ça. C'est où choix ça. Ou envie rentrer dans sa groupe, très simple. À partir d'aujourd'hui, je vous promène mon avis d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À partir d'aujourd'hui, je vais guetter les sahabas comment ils vivent, je vais faire des efforts, je vais pratiquer sa dîme comme ça, je vais amener mon madame dans sa direction, je vais amener mes enfants dans sa direction. Là qui demain, frère en islam, ou capable de garder l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner sa bénédiction, sa rahmat, sa grâce, sa pardon, et lui peut donner sa cadeau. Tant, veut dire. Et il veut dire qu'il souhaitait pour nous, pour les croyants, c'est qu'il nous gagne paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voilà, division existe. L'inévitable. Peine à personne qui est capable d'empêcher division. Beaucoup de gens, oui, comme ça nous dit, nous parlons dans l'extrême ici, nous tombons dans l'extrême ici. L'unité, comment beaucoup de gens peuvent dire, des milliards de gens pour un ensemble. Ça, dans Hamari Kitab, qu'on défait, pas existe ça.
Parce qu'il n'a pas qu'à contredire ce qu'elle vient de dire. Nous pas capable, Mohamed Salah, sa parole une fausse. Division, pas pour barrer ça. Pas cause qui impossible, parce qu'il s'en là, il peut vivre comme ça, il vit de sa différence. Qu'est-ce que tu as fait? Il peut vivre comme les professeurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut vivre pratique ce que les professeurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut vivre cadrer sa passion avec Coran et Sunna. Il a envie de vivre comme il trouve bon. Il a envie de vivre l'islam émotion. Il a envie de vivre l'islam pour son esprit. Il a envie de vivre l'islam pour son agenda. Son colère dirige sur l'islam. Son émotion dirige sur l'islam. Son la haine vis-à-vis X-Zimon dirige sur l'islam. Ça, il n'y a pas le droit chemin. Ça, ça qui a été l'islam, là, il n'y a pas le droit de direction d'un avec ça qui a été l'islam. Si mon colère dirige mon islam, je veux dire mon colère, je prends une position pour colère. Parce que mon collègue va y être. Je prends une position contre lui. Mon salaud est tel, je prends une position contre lui. Je suis frustré avec un tel, je prends une position contre lui. Ou bien je suis émotionné avec tel événement, je prends une position pour sa émotion. Là. Pas islam ça. Islam, islam pas influencé par émotion, par colère, par la joie, par rien. Islam, c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous content, nous pas content. Nous pleurer, nous rier, peu importe quelle situation. L'islam dit tout simplement ce qu'Allah finit dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire. Nous devons vivre ça l'islam. Alors, frère en islam, division pour ina, l'imbarrable. Mais ça ne veut pas dire que nous pas faire des efforts pour faire nos bonnes frères. Ça veut dire, vine l'eau le droit chemin, l'enfer pour remplir. Mais nous avons fait d'awa? Non. L'enfer pour remplir. Allah subhanahu wa ta'ala vient promettre. L'amla'anna jahannama min al-jinnati wal-nasi ajma'in. Pour remplir l'enfer avec djinn, avec insan. Est-ce qu'à cause de l'enfer pour remplir, moi, je fais dawa? Non, je fais dawa. Ça, c'est information qu'Allah finit dire. Ça, c'est qadar, ça. Mais seulement, moi, mon devoir vis-à-vis Allah, c'est quoi? Udhu ila sabiri rabbi. Invite vers le chemin de ton Rabb. De la même façon, ça, c'est prédiction, Muhammad Zahm, division pour ina. Mais seulement, mais sa frère qui m'a bien en lila. Mais risque pas les civils promis à 72 là. Sa sœur qui parle dans 6 mètres de travail là. Risque fait les vignes le droit chemin. Mais une contradiction. Nous pas à invente rêve qui n'a pas existé. Nous allons croire qu'il nous mat dans le monde pour venir un seul digne. Un seul fois pas arriver ça. Ça faudrait Isa alayhi salam descendre sur la terre. Quand Isa alayhi salam pour retourner sur la terre, là. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah fait une prédire pour arriver un moment qui la terre pour sous contrôle islam. Islam pour régner l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ça? Quand Isa alayhi salam retourne. Mais tant que Isa alayhi salam peut pas retourner, n'a pas van fausse rêve du monde qui vous croit capable de faire l'unité. Mais n'empêche que on n'a pas, veut dire, baisse les bras, ou dire, non, m'arrête de faire dawa, m'arrête invite vers Dimoun vers le droit chemin. Nous, bizin, invite vers Dimoun vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? Vine vers Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, nous avons un hadith qui peut dire, nous, la communauté pour diviser. Nous, traquons qui bizin fait, nous, bizin, prend précaution, qui nous patonne, nous pas trouve, nous pas déjà fin trouve pour un man qui fait égaré. Nous répéter, c'est quoi? Coran, Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba, est-ce qu'ils vivent comme ça? Bon, ça veut dire mon sentiment de sécurité. Façon, mon père misé, ce qui est dans le cadre, dans le cadre. Façon, mon père en collier, est-ce qu'il est dans le cadre, dans le cadre. Façon, mon père donne le bien, il est dans le cadre, il est dans le cadre. Façon, mon père pèse le mal, il est dans le cadre, il est dans le cadre. Alhamdoulilah, mon sentiment, Inch'Allah, qui m'a sa groupe, sa chemin, qui finit tracé par Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Simple, très simple. Mais c'est moi pour appliquer lui. Il demande qui, tout d'abord, ou gagne sa traca avant. Sa traca qui faisait descendre dans nous les quais. Au milieu de la nuit, quand nous lisions ouvert, nous guettons madame, peut dormir, nous gagne traca. Nous guettons nos enfants, nous passer. Nous allons faire oiseau, nous guettons nos enfants, nous gagne traca. Qui peut arriver, sa bonne enfant, qui peut arriver, sa madame, ou bien sa madame quand il levait. Peut-être qu'il va faire crier à moulet, ou son monsieur peut dormir, il gagne traca. Est-ce qu'il mon monsieur pour venir en bas dans le jannet? Ou bien qui peut arriver, nous? Ça, c'est un tracas de ban ahlul iman, ban jimoun qui n'a iman. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa tracas, sa fikar, qui nous gagne tracas, pas seulement pour la case qui nous pour ranger, pour nous moyer nos enfants, nous gagne tracas. Comment nous pouvons, comment nous pouvons vivre la terre, comment nous pouvons, comment nous, qui arrive nous dans le kabar,
comment nous pouvons lever le jour de la résurrection et qui fait guère nous pour le montrer Allah subhanahu wa ta'ala et avant ça qui fait guère nous pour montrer Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فين بريدير que sa ummat, comme on fait entendre, pour diviser en 73 groupes. Un seul là-dedans, d'après règlement pour le Jannet. 72 d'après règlement pour bizal dans l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, par sa générosité, capable d'être victime, capable d'être une bête. Capable de dire qu'il y a embêté, qui est influencé, il y a Allah qui fait ce jugement. Ça, c'est hadith. Et d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait éloge. Ça dit que ça groupe, ça petit groupe qui parle de Jannat. Là, qui c'est ça? 73, un là-dedans, il mérite Jannat. Hadith Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansura. Tout le temps, pour un groupe qui a la vérité, victorieux. لا يضرهم من خذلهم بين بيسون كي كاباف كوزوت جيتو بان كي بي غوت فيزوت جيتو ولا من خالفهم اي بين بيسون كي كاباف فيزوت جيتو بان كي كونتراديزوت حتى ياتي وعد الله حتى ياتي امر الله زيسكا كي الله سولوت فيني ici Allah سولوت c'est quoi quand Isa alayhi salam sa groupe là il peut terminer avec ban suivi de Isa alayhi salam à la fin des temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer, quand je te fais cassette, quand, veut dire, pour arriver à ce moment-là, je te poudre, quand ça a été ce petit groupe-là, dernier l'époque, nous ne connaissons qu'en ça, de 10 ans, de 100 ans, de plusieurs siècles, dernier groupe de croyants pour trouver dans Asham, dans la Syrie. Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un divan qui est un croyant que vous respirez ça, je te roule pour aller, c'est même dernier divan. Là, pour rester toujours un plus pourritir, pour vivre jusqu'à Qiyama. Man musulman, man croyant pour aller. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un groupe qui tout le temps lui pour la vérité, peu importe, 10 moun content zut, 10 moun lagué en zut, 10 moun ignore zut, 10 moun cause mauvais l'eau zut, 10 moun refait zut, dit tout, zut pour tout le temps, l'eau la vérité zut. Peine à n'en rien qui pour zut, l'eau ça la vérité. Alors qui c'est ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba dit, ban ulama dit, qui ça groupe là ça? Ça groupe qui est tout le temps pour victorieux. Imam Ahmad bin Hanbal dit « Il lam yakun ahlul hadith fala adri minhum » Moi, Imam Ahmad dit « Moi, mon seule opinion de l'Olama, c'est ban jimoun qui peut suivre hadith. Si ça ban n'a pas ça, ben moi pas connais que ça n'a ça. Qui ça n'a ça, ban groupe qui veut dire qui victorieux, pena aucun qui sauce fitna qui vous capable des racines autres depuis sa din, c'est ban jimoun qui trappe hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ferme. Imam Bukhari dit هم أهل الحديث. إمام بخاري دي سبان أهل الحديث. أهل الحديث هو كنيك في ديب. بان جيمون كي زت بران زت لوبينيون زت تروين بين لا زت بران زت لوبينيون زت ميت دان بين. زت بران زت باسيون زت ميت ان كوتي. زت بران زت فريستراسيون زت ميت ان كوتي. زت لا في ديريز با قال الله الله بيجي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي. Les gars peuvent crier, ils peuvent faire ça, non, halal, ça gagne droit, pas gagne. Un dit, je te connais, Rasulullah, ça me dit ça. Reste tranquille. Les gars peuvent dire, pas gagne droit, pas gagne droit, pas gagne droit. Qui fait tout, je pas gagne droit. Quran, il dit, gagne droit. Reste tranquille. C'est lui qui vit comme ça. Comme a dit Allah, tout ce caprice teint, ce colère teint, sur l'émotion cancel, il reste tranquille. Quand on peut dire, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, assis en place. Pareil comme Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu petit coup de sable. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est propagé partout. Il tient ce sable, il peut galoper de Yadjimoun. Djimoun peut gagner tracal, il peut tient sable, il peut battre Djimoun. Djimoun peut crier, pleurer. Et là, Djimoun peut tomber sec. Lui, il peut prendre ce sac, qui te dit, prophète, il mort. Djimoun peut bizarre, sauver, aller. Abu Bakr radiallahu anhu finit, rassembler tous musulmans dans Masjid. Y compris Omar avec ce sable de son armée. Il est énervé, puis en colère, parce qu'il n'est pas capable. Capable. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit qui dunya n'a. Écoute ça, capable. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu dit: Wa ma Muhammadun illa rasulun, qad khalat min qablihi rusul.
Verset Coran dans Surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prophète. Pareil comme avant, tiens, ben les autres prophètes. Afa immat, est-ce qu'il quand, si arrivé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mort, ou qu'il, ou bien il y a été assassiné, in qalabtum ala aqabikum, je peux tourner les doigts avec sa islam. Wa man yanqalib ala aqibayhi, falan yadurrallaha shay'a. Celui qui tourne les doigts avec Allah, tourne les doigts avec sa islam, il n'y a pas de faire Allah dit au lit. Parce qu'Allah au-dessus tout ban dit au. Wa sayyadizillahu shakirin. Et Allah pour récompense, man qui reconnaissant. Omar tom azenou. Qui n'y fait les courbes là? Qui s'en a capable une bouse Omar? Omar connaît son gabarit, comment dire, 2 mètres hauteur. Un colosse, une gâte manjoué basket, plus belle qu'il s'allait, pas de ce mec long, un petit colosse. Et de cela amène un sable. À tel point qu'il tient du monde comme un colosse, un monstre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, arrête faire problème pour du monde. Il peut envoyer tous Hajar Aswad. Il peut qu'on y pas ici, qu'on y pas, tout peut tomber. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, pas faire ça Omar, t'as du monde, te faut, tu veux faire du monde. Problème. Ça c'est Omar. Qui est capable de faire ce sap dans l'armée de Omar radiallahu alayhi wa sallam. Mais qui s'en fait ce sap tombe en bas et fait Omar tombe à Zénou, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qal Allah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمر انزو ان حديث ا ديفيرجنس دوبينيون il trouve la bible et c'est joli que ça verset pareil comment telle sourate les bien extraordinaire content il trouve bon parole dans la bible قال فين فين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم peut montrer extrait parce qu'au match qu'on lit il trouve Mohammed صلى الله عليه وسلم son visage une grenade collée n'est-ce pas qui n'arrivait qui m'en fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, si Moussa alayhi salam est là, il n'y a pas de point à aucune option excepté suivre moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar, zet salabib, il dit raditu billahi rabban, m'accepte Allah comme mon Rabb, m'a satisfait. Wa bi Muhammadin rasulan wa nabiya, et m'accepte qu'il m'a satisfait avec Muhammad comme rasul et nabi. Ça, comportement sahaba. Ou met tout caprice des côtés, ou met tout frustration des côtés. Celui qui est guidé par le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit sa dimoun qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finjia, ala al-haqqi mansoura. Donc frère en islam, très important, mais pour quelques minutes qui restaient, pour quelques secondes qui restaient, parmi ban, faiblesse qui vous fait nous sortir en déo sa chemin, numéro 1, arrête pratique l'islam par ou l'esprit. Pas mettre ou l'esprit dans din. Arrêtez ça qui on trouve bon ou dire bon. Laisse-vous guider par le Coran et le Sunna. Pas mettre ou passion dans din. Pas mettre ou jalousie dans din. Pas mettre ou frustration dans din. Pas mettre ou problème personnel dans din. Pas mettre ou groupe dans din. Zodi, un des plus grands fitna qui sa oumad peut faire face. Kullu hizbim bima ladayhim farihun. Chaque groupe peut dire lui qui bon. Pas faire l'esprit à loin un groupe. Pas un groupe qui est indécent, un groupe. Qui soit groupe là, groupe qui suivent l'Égypte, groupe qui suivent Koweït, groupe qui suivent l'Arabie, groupe qui suivent l'Inde, groupe qui suivent Sud-Afrique, ça, tout le monde trouve l'île la vérité. Alors que personne ne parle de la vérité. Un seul de la vérité. Celui qui se digne, base de Coran et Sunna, volontairement dit Alhamdulillah, bon, Inch'Allah, je fais partie de sa groupe. Mais aujourd'hui, qui peut arriver, sa groupe-là, tel pays, ce groupe, telle influence, sa pays-là, dans sa groupe, ou bien telle influence, sa groupe-là, dans sa pays-là. Alors, nous faire groupe, nous rassembler, nous faire beaucoup. L'autre là, ce groupe, tel pays, guide-li, rassembler. Ou bien l'autre là, il reste comme ça, il n'y a pas un groupe. Il est frustré, alors là, il fait un groupe pour lui-même. C'est de qualité, non? Ça, là, il y a un groupe, un tel. Il trappe sur l'avion, veille, il trappe sur l'avion rouge, le talali, mais il n'a pas de certificat. Il est frustré. Allez, il fait un groupe ici. Il ne peut pas continuer comme ça, frère. Ça, c'est le bon chemin de l'égarement. Deuxième problème qui peut détruire sa ummat, quand nous peinons la connaissance, nous cause dîne. Frère, en islam, fait différence. Sans attaque personne. Sans pointe les doigts à personne. Dans l'islam, il y a deux petites choses. Il y a une maw'idha. Et là, après, ilm. Qui veut dire ça, mou'idha avec ilm? Mou'idha veut dire rappel. Ilm, c'est la connaissance. Et là, rappel,
Pareil comme à longtemps, dans l'époque, plus grand savant de cette époque, Imam Ahmad bin Hanbal. Mais c'est là, ben Wu'ad, ben Kiti, ben spécialiste d'en faire appel. Ben spécialiste d'en faire appel, c'est ben Jibun qui, tu peux rassembler des milliers de Jibun. Rappelle-zot Allah, rappelle-zot Din, rappelle-zot l'amour, rappelle-zot Akhirat. Ça, c'est ben Wu'ad. Ben qui fait appel Waiz, pas ben grand Waiz, c'est un mot, ça mot là. Wu'ad, Wu'ad. Alors ça c'est rappel. Rappel ou pas nécessairement gagner un certificat ou bien gagner un titre alim pour faire rappel. Même un djimoun qui n'apprend une causerie, il n'apprend une chose là, il n'apprend concernant l'amour, il y a le rappel sur madame, il y a le rappel sur ses enfants l'amour, il y a le rappel sur l'obéissance, pas de problème ça. Et là, une chose qui appelle rappel. Qui est un djimoun qui peut faire des efforts, peut prendre un livre anglais, peut prendre un hadith, peut get l'internet. Ainsi, l'importance salat, l'importance l'obéissance, jannat, jahannam, il peut rappeler du monde de Jumma, il peut rappeler du monde de causerie, alhamdulillah. Parce que sa quantité de place qui faisait fait d'awala, et n'a 10 d'ari, qui n'a pas un expert, mais pas suffit. Alors rappel, oui, mais la connaissance, halal, haram, sa shirk, sa bid'a, sa din, sa kufr, sa nifaq, sa l'hypocrisie, sa rébellion, sa kumsa, sa haram, ça n'est pas supposé comme ça, ça n'est supposé comme ça. Ça, l'aspect technique là, nous devons prendre compte, frère. N'a pas écouté tout du monde. Conseil que je suis donne moi-même, donne ma famille et donne nous aussi. N'a pas prendre tout du monde qui veut dire, par veut dire qu'un du monde qu'on cause, veut dire, tout ce parole, il peut cause bon. L'icône cause, il a l'éloquence dans la parole, pas, que, pas veut dire qu'il a une connaissance digne. Il peut faire rappel. Zodi dans l'île Maurice, tout du monde qui cause bien, et. Top 5, qui ça fait top mon frère? Pas connu. Enfin, il y a top qui fait bougla qu'on crie. L'icône veut dire jouer avec ce ton, l'icône jouer avec ban vocabulaire. Bien top ça. Non, pas comme ça qui est dit, frère. Ça problème qui vous peut causer, c'est pas par fanatisme ça. Parce qu'il vous peut mettre ou din en jeu là. Vous peut mettre ou zindagi en jeu ou akhirat en jeu. Get bien Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous accroche nous avec ban qui est la connaissance. Ban qui est la connaissance et la degré, bien sûr. Et Nari n'arrive à la honnête dans l'éducation pour la permission d'Allah. Et n'a mis parcours, et n'a dans parcours de la connaissance, mais l'idée catégorie, ban qui éduqué, fais alou ahle dhikri in kuntum la ta'alamoun. Demande celui qui n'a maîtrise de la connaissance, Quran et Sunnah, si je n'ai pas connu. Si je n'ai pas connu, demande celui qui n'a connaissance. Sa mimbar là, ne pas dire sa mimbar là pour me témoin, parce que ça mimbar là pour disparaître ça. Mais seulement si Samim Barat est capable de témoin. Combien de choses qui ne causaient l'eau là? Après, il m'a mis un zouré dans Maurice avec l'international. Après, Camaléon sans se couler. Combien est arrivé comme ça? Pas un cas est arrivé comme ça. Combien de choses qui nous mettent en garde par la grâce d'Allah, par la permission d'Allah. Et aussi à cause qui nos relations avec Banu Ulama, quand nous ne connaissons nous demander. Combien de choses qui. Tu peux mettre en garde, pas faire ça, pas croire là-dedans, n'a pas fait ça. Finalement, qu'un zouré rentre dans une bassesse, ça c'est un fitna qui peut venir, nous n'est plus connu qui nous pour causer. Quand on contradit moi, ou besoin contrôle ou parole, ou besoin connu qui vous causez. Moi, j'ai un problème à où, moi, j'ai une différence à où, j'ai une petite chose digne. Moi, besoin faire attention, qui, quand je peux confronter, ou ne pas déraper. Moi, pas finalement amener une fille là-dedans, ou madame là-dedans, ou frère là-dedans. Ou couler la peau là-dedans, ou style là-dedans, ou bien, ou zip là-dedans, ou bien, ou pas connaît qui, et où là-bas. Il faudrait une éthique, comme ça qu'il est là, qui nous progresser dans din, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide sa ummat, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Nous tous personnes, nous pas connaît nous demain qui peut arriver. Nous tous vulnérables, c'est seulement qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, la langue protège nous comportement. Personne n'est pas parfait, mais seulement nous avons fait des efforts qui ne pas descendre, dire de bonne place, quand finalement, quand Dieu nous guide, nous, il n'y a pas gagné des goûts, il sera en nous, il gagne des goûts avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.